Alors salut, c'est notre seul combo, c'est la salière de la tanière. Combien t'en veux ? Deux. Un, deux. Quelle couleur ? Jaune. Jaune. Quel artiste t'a donné envie de faire de la musique ? Les groupes que j'écoutais quand j'étais jeune, beaucoup La Mano. Toute cette période de rock français alternatif. La belle époque. Ouais, la belle époque. Bien ça. Combien ? 3. 1, 2, 3. Quelle couleur ? Orange. C'est jaune. J'adore le jaune. C'est quoi ton histoire au sein du groupe ? Alors, mon histoire, elle est sympathique parce qu'en fait, c'est une rencontre il y a à peine 6 mois et. Une petite annonce, et puis ces gens-là ont bien voulu m'intégrer dans leur partage. Belle histoire. Oui, on cherchait un bassiste. En fait, ça faisait cinq ans quand je joue sans bassiste. Et puis, il est arrivé à l'heure de chercher un bassiste, en fait. On a eu cette envie, voilà. Et Calou est passé sur notre route, et c'est très bien. Parfait. Combien t'en veux ? 4. 1, 2, 3, 4. Quelle couleur ? Quel est le pire concert auquel tu es assisté ? Auquel j'ai assisté ? Celui de la semaine dernière. Auquel j'ai assisté ? Assisté. Pas assisté. Ouais. Le pire concert. Tu peux balancer. Hein. Le pire concert auquel j'ai assisté. Moi, je dirais le cercle. Le pire concert auquel j'ai assisté, je sais pas, je pensais à une bêtise, mais. Je pensais à Carlos, produire Maurepin dans les années 80 par exemple. Mais en fait, c'est pas vraiment un mauvais souvenir, c'est un souvenir de gamin que j'avais 7 ou 8 ans. Mais bon, c'est sûrement le pire concert, je pense. T'as aimé ou t'as pas aimé ? J'ai pas vraiment de souvenir en fait, je sais pas. À 7, 8 ans. Je sais pas si vous vous rappelez les trucs, ils faisaient des trucs en carton comme ça pour voir plus loin en fait pour les gamins avec un système de loupe en fait, pour voir au-dessus du public. Quoi. Je me rappelle des périscopes. Ça. Ouais, genre de télé, ouais. Trop bien. Eh bien les gars, bon live. Désolé pour Carlos. C'est pas grave. Merci.